إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه طيب toujours, on est donc l'Iman ou l'Yom al-Akhir, foi en dernier, le jour, dernier jour, ou le jour de l'Hisab, et ainsi de suite. Et on parlait ici donc de paradis, concernant les personnes qui rentreront au paradis. وصف الجنة الجنة هي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين. Alors le paradis, c'est une demeure, un lieu où Allah Azza wa Jal l'a préparé pour ses serviteurs, ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. ولا نستطيع أن نقر ما فيها من نعيم مقيم غير أننا نقول كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده. Car on ne peut pas imaginer, expliquer ou donner une image exacte de quoi le paradis, qu'est-ce qu'il y a dans le paradis, ça sera difficile, car c'est un paradis qu'Allah Azza wa Jal a planté, a construit avec ses mains. Alors, quelque chose qu'Allah Azza wa Jal l'a construit avec ses mains, ça sera difficile donc de le détailler, de le comprendre, de le définir. Et enfin, on regarde simplement ce qui est dans l'univers, là il te regarde la construction d'Allah Azza wa Jal de l'univers. L'imagination d'humain ou n'arrivera pas hein, à arriver à la compréhension de cet univers complètement. On est en train de comprendre de l'univers, etc. avec tout, même pas 10%, même pas pour 10%. On regarde simplement humain avec son cerveau. Demander aux gens, donc les spécialistes du cerveau, de la raison, etc., comment fonctionne tout ça, ben, alors là, le paradis, c'est quelque chose de définitif, qui a été fait, construit, créé par Allah Azza wa Jal. وَجَعَلَهَا مَقَرًّا لِأَحْبَابِهِ وَمَلَأَهَا مِنْ رَحْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ. Tout y est dedans, et sa miséricorde sur les gens du paradis. وَوَصَفَ نَعِيمَهَا بِالْفَوْزِ الْعَظِيمِ. Car Allah Azza wa Jal, il a dit, celui qui sera sa demeure le paradis, c'est le fawz al-azim, c'est-à-dire la grande réussite. Wa mulkuha al-milk al-kabir wa awda'aha jami' al-khayr bi hadafirihi wa tahharaha min kulli 'ayb wa afat wa naqs. Dans le paradis, il n'y a pas quelque chose donc de manque, quelque chose donc de pas à sa place. Quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui n'est pas tout à fait bien, bien, il n'y a rien. Tout complète, tout à l'infini. Et alors, il n'y a pas donc de mal dedans. C'est pour ça qu'on voit que ce bas monde, il est construit donc de quoi ? Il y a de bien de ce bas monde, oui. Mais il y a du mal aussi. Il est mélangé, ce bas monde, on voit le bien et on voit le mal. Mais le jour du jugement, c'est deux choses qu'on voit dans son maintenant, dans cet univers, le mal et le bien. Ils sont un peu hein, en contradiction, mais ils sont présents les deux. Il y a une guerre entre les deux, le bien et le mal. Hein. Les malheurs et les bonheurs, ils sont tous là aussi. Mais le jour du jugement, ils vont se séparer définitivement. Le mal et le bien, ils vont se séparer. Il n'y a pas dans le paradis le mal. Il n'existe pas. De tout ce que tu peux imaginer, le mal, le mauvais, il n'existe pas au paradis. Il n'y a que le bien. Le contraire, dans l'enfer, il n'y a pas de bien. Il n'y a que du mal. Pas un gramme de bien. Dans le paradis, pas un gramme de mal. Ils sont ici présents sur ce bas monde. Mais après, ils vont se séparer définitivement. Il n'y a pas là, aujourd'hui je suis bien, demain je ne serai pas bien, c'est ici.
aujourd'hui je ne suis pas bien, demain je serai bien, c'est ici. Là, non. Il n'y a pas aujourd'hui je vais être bien et demain, Inch'Allah, je vais être encore mieux. Ou peut-être. Non, non, non. Aujourd'hui je suis pas bien, demain je serai bien. Non. Tu n'es pas bien, tu ne seras pas bien. À l'éternité. Tu es bien à l'éternité, à l'infini. C'est-à-dire, il n'y a pas un grain de mal qui va venir intercaler dans le bonheur de paradis, il n'y en a pas. Mais il n'y a pas aussi dans l'enfer un grain de bien pour soulager le mal qui est dans l'enfer. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران. Alors la terre ou la poussière de paradis c'est de l'misk et le safran. Voilà la terre donc de la poussière. Donc de paradis c'est de l'misk et le zafran. وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن. Son toit c'est le trône de Allah Azza wa Jalla. وإن سألت عن Les petites pierres qu'on peut trouver ici, c'est quoi? C'est des diamants. Des petites pierres. Et si tu demandes sa construction, ces murs sont construits avec une pierre, ou alors, comment on a dit là? Une brique en or, une brique en argent, toute la construction. وإن سألت عن أنهارها فأنهارها من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. Les rivières sont conçues donc de lait et de vin, mais ils ne changent jamais, c'est-à-dire moisir ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de canalisation, c'est-à-dire une rivière, on trouve toujours comme un genre de canal. Non, là c'est plat, mais ça va dans, il ne se déborde pas sur la gauche, à droite, mais ce n'est pas un creux. Et des rivières de miel qui est pur. فَفَاكِهَةٌ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمُ طَيْرٍ مَا يَشْتَهُونَ. Les fruits, il va, tout ce que tu peux imaginer comme fruits ou comme viande et tout ça. وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ ذِلِّهَا فَفِيهَا شَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْمُجِدُّ السَّرِيعُ فِي ذِلِّهَا 100 عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا. Son nombre, ça se trouverait sur un arbre, pas simplement l'ombre, donc les arbres. Une arbre, c'est que tu prends un cavalier en allant en bonne marche, et elle traverserait cet arbre-là, les feuilles de cet arbre-là, après 100 ans. Une arbre. Un arbre qui est là, au-dessus de cet arbre-là, traverser tout ça avec le cheval, avec une marche assez rapide, 100 ans. Alors tu vois bien que le cerveau ici, il s'arrête donc de, qu'il n'essaye même pas de faire les marches. وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ خِيَامِهَا وَقِبَبِهَا فَالْخَيْمَةُ مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا 60 مِيلًا. Alors il y a des tentes au paradis. Il y a des constructions, des maisons avec des briques en or et en argent. Et il y a des tentes. Et des tentes, c'est un diamant. Un diamant qui est cru à l'intérieur, vide à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un diamant. Et quel diamant? Et c'est le, quand on dit un grand diamant, je crois que le grand diamant, il mesurait quoi? 5 centimes, le grand diamant. Là, ils te disent simplement, c'est une tente en diamant, qu'elle est creuse à l'intérieur, c'est-à-dire te rentre comme une grotte comme ça. Mujawwafa, touluha 60 milan. La hauteur, la grandeur de ce diamant, c'est 120 km. Ça te donne quoi? Ça te donne que
impossible d'imaginer. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu n'y arriverais pas à imaginer ce qu'il y a dans le paradis. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. Les vêtements, c'est du soie et de l'or. وإن سألت عن أسنانهم فأبناء ثلاثين وثلاثة وثلاثين سنة. Leur âge, c'est 33 ans. Il n'y a pas un qui dépasse 33 ans. Tous à 33 ans. L'âge de 33 ans pour tout le monde. على صورة آدم عليه السلام, sur l'image donc de Adam alayhi salatu salam, c'est-à-dire la grandeur. Wa fil jannati la yujadu insan illa wa yakun jamil as-sura. Dans le paradis, il n'y a pas, il est beau, celui-là il est plus beau que lui, ou celui-là il est vilain. Il n'y en a pas, ils sont tous beaux. Pas de vilain. Pas d'image, pas de remarque, il n'y a rien. Ils sont tous beaux. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر. Les premières qui rentrent au paradis, et leur visage lumineux comme la lumière, donc le plein lune. ثم الذين يلونهم, et les autres aussi avec leur lumière comme des étoiles. إِذَاءَةً لَا يَبْلُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ لَا يَبْلُونَ, pas d'urine, ils ne vont pas uriner, hein? وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ, ils n'ont pas de crachés, وَلَا يَتَمَخَّطُونَ, toutes ces choses-là qui sortent de la tête, point de vue, donc des liquides, des oreilles, du nez, des yeux, il n'y en a pas, fini, éliminé, plus rien, pas même de la cire. Tu vois bien ici maintenant la construction, ça va être tout à fait une autre personne. Ça n'a rien à voir avec la personne ici qu'il mange et qu'il se fatigue quand il mange et qu'il doit aller à la toilette. Il n'y en a pas ça. Il mange et toute cette nourriture-là, elle est évaporée dans le corps. Absolument rien. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets. والحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. Les gens quand ils rentrent au paradis, ils vont entendre un appel. Il leur dit لكم أن تحيوا فلا تموتوا. Vous êtes vivant au paradis, mais vous ne mourrez plus jamais. Il n'y a pas de mort. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا. Vous aurez toujours une bonne santé, jamais donc une maladie ou une douleur dans le corps. Ça n'existe pas. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا. On a dit qu'il a Jason 33. Mais il ne grandit pas. Il ne vieillit pas. Il est stoppé. Il est arrêté. Dans l'ADN, le chromosome qui vieillit, il n'est plus là. Changé. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا. Vous serez toujours heureux, content, jamais donc de tristesse ou quoi que ce soit. والحديث رواه مسلم. تساؤلات للرجال حور العين فماذا للنساء. Voilà une question qu'on l'entend poser plusieurs fois par certaines personnes. Ou surtout par les personnes qui ne croient pas, hein, on va dire des athées. Même parfois certaines personnes, des gens de livres. Mais les gens des livres, parfois, ils trichent aussi, ok? Les gens de livres, quand ils parlent de l'islam, au point de vue de le Coran, il a dit comme ça, il n'a pas donné la fin. Mais quand tu regardes dans leurs livres, l'Injil, le Tawrat, tu trouves la même chose. Même, il a été modifié, mais tu trouves la même chose.
Sauf parfois dans leur livre, il y a plus d'exagération qu'au quoi. Quand ils disent l'islam, bien, il oblige les gens à devenir musulmans, ils les tuent, ils les combattent, etc. C'est un prophète qui est venu par guerre, etc. Tout ça, c'est archi faux. Et quand tu regardes dans l'évangile, tu trouves des choses. C'est-à-dire, tu peux pas imaginer. Dans un verset, il te dit, si ton ami, il pense que il va changer de religion, il faut le tuer, lui et sa famille, et même tout le village. Qu'un seul simplement avoir pensé de changer de religion, doit être égorgé, lui et sa famille, tout le monde. Un jour, il y en a un qui a fait un test, pas un, plusieurs. Ils ont montré les versets, mais sans dire que c'est l'évangile, ils ont dit que c'est le Coran. Et tous les gens disent, oh là là, ça c'est normal, c'est l'islam, c'est comme ça. Quand elle a fini, il dit, c'est la Bible. Non, c'est pas possible, ça se trouve dans la Bible, ça, oui, ça se trouve dans la Bible. Un jour, on doit lire ce qui est dans la Bible là. Pour faire comparaître ce qu'ils disent. Mais ça, la question que les gens se posent ici, c'est ça, Oulat, les Rijal, Horlein. La question, les hommes, ils ont les Horlein, les femmes du paradis. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont pour les femmes? Les femmes, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi les hommes, ils auront des femmes spéciales, des femmes du paradis, et les femmes, ils n'auront pas des hommes de paradis? Ils auront leur mari d'ici. إن هذا السؤال لا يجوز من باب الجدل والتشكيك. Cette question ne doit pas être posée au point de vue de doute ou alors donc de discussion. Ça concerne le musulman. Un musulman, il ne doit pas dire pourquoi les femmes ou alors il a un doute de cette justice le jour du jugement. Car s'il pense comme ça, ou il fait une discussion de l'jadal, parce qu'il n'arrive pas à accepter cette règle, donc les hommes, ils ont les hor l'ilm, mais les femmes, ils n'en ont pas. La min babi ziyadati l'ilm fi d-din illahi azza wa jal, wa la yajuzu an yas'al hadhi l'as'ila illa idha arada an yazdadu ilm. Il peut poser sa question simplement pour avoir plus donc de science, pas de doute, pas donc de pourquoi, mais simplement pour avoir plus donc de science, de savoir. Ou alors pour enlever de sa tête une ambiguïté qui lui dérange dans la tête. Ça peut arriver aussi. Ça existe. C'est pas que ça peut arriver, ça existe déjà. Alors, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الأحزاب. Première chose, Allah Azza wa Jal dit, ما كان لمؤمن, parce que ici on parle musulman, croyant. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة, il n'est pas permis à un musulman, femme, homme, quant à une loi de Allah Azzawajal et de son prophète, un ordre ou une loi ou une interdiction, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas à dire pourquoi cet ordre ou pourquoi cette interdiction. Tu dois accepter l'ordre, un point c'est tout. Peut-être les gens ils vont se dire, mais c'est un peu, comment on appelle ça, dictateur? Hein? Si tu prends simplement ton patron, rien que ton patron, tu travailles dans une usine. Et le patron, il arrive un jour, il te dit, bon, tu es sur ton PC là, donc de la société, donc prends ce PC là et jette-le dans la poubelle. Pourquoi, patron? Ça va pas dans ta tête, patron? Le PC, il est bon encore. Fonction. Jette-le dans la poubelle. Ok, je vais le prendre pour moi. Jette-le dans la poubelle.
Maintenant, quand tu as dit au patron pourquoi tu vas le jeter, etc., c'était bien de ta part? C'est ton droit, toi, de te poser aux questions pourquoi? Non, absolument rien. Même si toi, tu n'arrives pas à comprendre, jette-le, jette-le. Khalas. C'est un ordre. Hein. Un ordre, un point, c'est tout. Lui, il sait pourquoi. Il ne va pas t'expliquer. Peut-être s'il t'explique, ah, c'est ça. Oui, on va les jeter dans le conteneur parce qu'on les fait rentrer dans les frais généraux. Ils ont un système, la marchandise qu'il est vieille, on les jette, elle n'est pas vieille parce qu'il reçoit de l'argent à cause de ça. Mais il n'a pas besoin de t'expliquer tout ça, lui. Il te dit, jette-le, jette-le. Tu arrives, tu travailles à quelle heure? Tu commences à quelle heure? À 8 heures. Tu arrives, ils te disent, ne commence pas, n'allume pas les machines maintenant. Repose-toi, dis, c'est 1 heure. Non, patron, je vais commencer maintenant. Ça va pas. Tu n'as pas la route. Tu finis à 5 heures. 4 heures, tu peux partir. Non, non, ce n'est pas encore 5 heures. Je te dis, tu peux partir. Ou alors, il te dit, demain, tu ne viens pas travailler. Et ainsi de suite. Tu ne discutes pas. Alors, ça, c'est un humain. Alors, il demandait celui qui t'a créé, celui qui t'a fabriqué, celui qui t'a fait cette langue pour parler, celui qui t'a fait cette cervelle pour réfléchir. Et maintenant, tu lui dis pourquoi. إذا قضى الله ورسوله الله ورسوله أمرا كنت الله عز وجل te donne un ordre. Khalas, tu exécutes cet ordre-là et tu n'as pas à discuter le pour et le pourquoi. Alors, on dit ici à cette femme aussi qui peut poser cette question, maintenant, si on prend... Ils sont trompés celui-là, quoi. On prend maintenant... Une musulmane. Parfois, un musulman pose ce genre de questions. Hein, et qu'elle les trouve un peu dans. Si on dit à cette femme musulmane, ou alors même à un homme qu'il va poser cette question, parce qu'il y a certains hommes aussi qui disent qu'ils défendent la femme, c'est un musulman, entre parenthèses, les défendeurs des droits de la femme, c'est un chacal. On dit à cette femme-là, qui est musulmane, oui, est-ce que ce qui est dans le Coran, dans le Coran, tu penses qu'il y a quelque chose qu'elle était injuste envers toi? Qu'est-ce qu'il va répondre? Non, il ne peut pas répondre, oui, si tu réponds oui, tu n'es plus musulmane. Maintenant, si tu es sur ce bas monde, je te dis dans le Coran, tu es musulman, tu crois à cette parole, c'est la parole de Allah Azzawajal, oui. Dans tous les textes de Azad, de Fatiha jusqu'à Nas, est-ce qu'il y a quelque chose inversé ou quelque chose que tu penses ou que tu vois qu'il était injuste avec toi? La réponse est non. Pourquoi? Parce que c'est Allah, Al-Adil, l'omniscient. Alors, comment ça se passerait dans le paradis? Tu ne peux pas dire qu'Allah qui m'a créé, qui m'a donné l'ordre dans le Coran, ici il n'est pas. Il n'y a rien qui est injuste, mais quand je rentre au paradis, peut-être je vais trouver quelque chose qui est injuste. Non. C'est Allah lui-même. Alors, les biens donc de paradis n'est pas spécifiquement pour les hommes. Sont les femmes. Non. Allah Azzawajal, il a préparé dans le paradis pour tous ceux qui le craignent, que ce soit femme et que ce soit l'homme. Allah Azzawajal, il dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Allah, il le cite dans le Coran. Toute personne fait des bonnes actions, que ce soit homme ou que ce soit une femme. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Il lui croit. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Voilà, on dit à cette femme-là ou l'autre-là, ce verset-là, qu'est-ce que tu en penses? Allah, il te dit, celui qui fait une bonne action et qui croit en Allah, Azzawajal, pourquoi il dit « wa huwa mu'min » Parce qu'il y en a qui font les bonnes actions, mais
ça ne sera pas bénéfique parce qu'on ne croit pas. Les bonnes actions ne seront valables sauf si tu crois au Créateur. C'est-à-dire que ces actions, tu les as faites pour lui, car il t'a créé pour lui. Mais si tu fais une bonne action, que ce soit n'importe quelle bonne action, mais que tu ne le fais pas pour Allah, tu l'as fait pour toi, pour tes plaisirs, tu n'as pas de récompense. Ici, Allah Azzawajal, il dit, celui qui fait une bonne action, وَهُوَ مُؤْمِنْ, lui, il est croyant, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ, il a des femmes et hommes, ceux-là rentrant au paradis. Et Allah Azzawajal, il dit, وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Nakir, c'est quelque chose de minime. La peau qu'il y a sur la tamar, la date. Tu vois la date qu'on demande, il y a le noyau. Et sur le noyau, il y a une peau fine comme ça. Même pas ça. Allah, il te dit, tu ne seras pas. Lézi, le jour du jugement, il n'y a pas quelque chose qui sera injuste envers toi. Qui te soit, Allah ou une femme. Allah Azza wa Jal dit. Allah Azza wa Jal, il dit, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. Il le cite encore, Allah Azza wa Jal, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Celui qui font une bonne action, que ce soit femme ou homme, Allah Azza wa Jal va lui donner une vie, une hayat, c'est-à-dire le jour du jugement, tayyiba, bien. Pour qui bien? Femme, homme. وَلَنْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. On va leur donner leur récompense juste et exacte. Que ce soit femme, que ce soit l'homme. Dans le dernier verset, Allah Azza wa Jal dit, نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Hein? Nous sommes votre protecteur dans ce bas monde, حَيَاةِ الدُّنْيَا, وَفِي الْآخِرَةِ, le jour du jugement, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. Vous aurez dans le paradis tout ce que vous souhaitez. Tout ce que vous souhaitez. Maintenant, prenons rien que ce verset pour qu'on puisse comprendre. Allah Azza wa Jal dit, le jour du jugement, فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. Vous aurez, le jour du jugement dans le paradis, tout ce que vous aimez avoir, tout ce que vous souhaitez avoir. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُوهُ. Tout ce que vous demandez, vous l'aurez. Tout ce que vous demandez, vous l'aurez. Est-ce que la femme, le jour du jugement, elle aura deux hommes? Non. Il n'y a pas. Est-ce que la femme peut avoir cette idée-là, cette envie-là? Il ne l'aura pas. Et si, il peut l'avoir. Mais le jour du jugement, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Cette femme ici, qu'il voit qu'elle est jalouse, qu'il n'accepte pas que son mari ait une deuxième femme. Il se sent mal. Ce qui est tout à fait normal. Qui a créé ce mal, cette jalousie dans cette femme-là? Le Créateur, Allah Azza wa Jal. Maintenant, ces femmes qu'ils disent que le jour du jugement, hein, parce que ici, sur ce bas monde, tu as des idées, tu as des fantasmes, etc., etc. Mais, puisqu'on sait que dans le paradis, les hommes, ils auront plusieurs femmes. Et les femmes, ils auront qu'un homme. Un seul. Pas deux. Est-ce que le verset, il dit, vous aurez tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il peut avoir dans le cerveau, dans l'envie de cette femme-là, d'avoir un deuxième homme? Il ne passerait pas. Au contraire, ça sera dans sa tête un dégoût. D'un deuxième, une souffrance. Il n'y pensera même pas.
Pourquoi? C'est la construction qu'Allah Azzawajal a fait. C'est la construction qu'Allah Azzawajal a fait. Si Allah Azzawajal dit vous aurez tout ce que vous voulez, sûr et certain que ce jour, donc ce qu'Allah Azzawajal a désigné dans le paradis, que tout ce que vous demandez, tout ce qu'Allah Azzawajal ne vous donnera pas dans le paradis, vous n'allez pas l'avoir dans la tête. Vous n'allez pas l'avoir dans la pensée, mais rien, il est éliminé directement, enlevé dans la tête. Qui ça sera tout à fait naturel, normal. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que certaines personnes font l'analyse. Donc, la jalousie que j'ai maintenant, au paradis, ça va être comment? Mais non, cette jalousie, Allah Azza wa Jal l'a fait pour ce bas monde. Cette jalousie, Allah Azza wa Jal l'a fait pour ce bas monde. C'est comme il a fait les maladies, hein, les tricheries, etc., qui les a permis qu'il se soit sur ce bas monde. Mais le jour du jugement, cette sensation, donc, de il n'y en a pas. Ces larmes qui tombent parce que tu es triste ou tu es content, il n'y en a pas. Ce manger que tu manges, hein, et que tu vas à la toilette, il n'y en a pas. Tout à fait une construction. C'est-à-dire que la personne, le jour du jugement, il a juste ce qu'il a besoin. Maintenant, ici, parfois, dans ce bas monde, tu vois la personne est en train de manger. Quelque chose qu'il aime bien, un plat qui est... Elle aime beaucoup. Mais quand elle finit par une fois, tu lui dis, comment ça va? Il dit, je suis mal. À cause de quoi? De ce qu'il a mangé de trop. Il ne sait pas même pas faire une limite pour lui. Il peut se faire mal avec cette nourriture que lui-même il aime. Il n'a pas la mesure où il doit arrêter de manger. Ses yeux sont là, il ne veut pas arracher son, parce que c'est un bon plat, il aime bien, mais à la fin, il a mal, il n'arrive pas à respirer, il souffre à cause de... Le jour du jugement, il n'y a pas cette mesure dépassée. Au moins, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas construction dans le corps humain. Carrément défini. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de toilette. Hein? Il n'y a pas de... J'arrive pas à respirer. Non, ça n'existe pas. Mange, 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 mange. Il n'y a rien. Absolument rien. La même chose quand tu es ici maintenant. Tu es là, ben, après certaines heures, tu es fatigué. Tes yeux commencent à se fermer. Qu'est-ce qui est... Il n'y a pas que je vais dormir parce que je suis fatigué. Non. Il n'y a pas. C'est la fatigue qui m'a poussé pour dormir. Non, c'est des plaisirs. Parce que la fatigue, quoi? C'est un mal. Là, il n'y a pas de fatigue. Je veux manger. Tu manges quand? Maintenant. Quand tu as faim. Il n'y a pas de faim le jour du jugement. Il n'y a pas, je vais sentir dans mes vins, ils ont faim, un creux. Il n'y a pas de creux, l'infini, il n'y a rien. Je mange, c'est les envies. Par plaisir, c'est ralasse. Fini. Il n'y a pas ce genre. C'est pour ça... On dit qu'il ne faut pas faire l'analyse, donc la conception de la construction humaine, maintenant que ce soit femme, etc., avec tout ce que tu peux imaginer, les envies, les jalousies, etc., les tristesses, le heureux, ça n'existe pas le jour du jugement. C'est fini. Ici, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin, un verset du Coran, qu'on a posé la question, Anna Umm Ammar al-Ansariya, voilà encore une Ansariya, il a cette idée-là. Anna atat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqalat, ma ara kull shay'in illa lirrijal. Ah, il parle carrément, il dit, je vois les hommes, ils ont plus de que les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait descendre ce verset, Inna al-Muslimina. Maintenant il va, Inna al-Muslimina, wal-Muslimat, wal-Mu'minin, wal-Mu'minat, wal-Qanitin, wal-Qanitat, wal-Sadiqin, wal-Sadiqat, wal-Sabirin, wal-Sabirat, wal-Khashi'in, wal-Khashi'at, wal-Mutasaddiqin, wal-Mutasaddiqat, wal-Sa'imin, wal-Sa'imat, wal-Hafidhina furujahum, wal-Hafidhati, wal-Zakirina,
الله كثيرا والذاكرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ici, cette femme-là est en train de faire cette analyse, donc, de ce bas monde. De se sentir, ce sentiment que l'homme est le chef, que je dois obéir à mon mari. Il a ce sentiment-là. Ah, d'ailleurs, c'est une guerre entre les deux pensées dans le monde entier. Il n'y a pas de chef, etc., etc. Hein? L'égalité, donc, on appelle comment l'égalité des sexes. Hein? Là, le CEMA aussi, ils avaient fait la banderole qu'ils avaient prise au départ. Ils avaient marqué ça aussi. Est-ce que ce mot-là, l'égalité de sexe, c'est un mot faux? Parfois, les gens ils disent, ah, les musulmans, non. La notation de mot égalité, partage égal, c'est faux. D'ailleurs, même eux qui disent ça, si on va faire les statistiques de rechercher les femmes qui travaillent dans l'usine et les hommes, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver là une égalité là? Absolument rien, faux. Si on regarde par exemple dans les postes de pouvoir dans tous les pays européens, est-ce qu'on trouverait là l'égalité des ministères femmes et hommes, président, roi, reine? Non. Absolument faux. Pourquoi? Parce que le mot, il n'est pas juste. Le mot égalité, ça n'a rien. Premièrement, pour arriver à un poste, il faut avoir comment on appelle ça, la capacité de ce poste. Je ne vais pas dire, vous allez, vous les élèves, j'en ai comme ça, 5 élèves ou 20 élèves, vous passez directement tous. Non, il n'y a rien. Tu passes à cette place-là parce que tu as la capacité de ça. Tu deviens ministre, miséridant, etc., tu as la capacité. Ça, c'est déjà une chose. Mais parfois, ce n'est pas même la capacité dans de l'intelligence, d'études, de diplômes, la capacité de corps. Physique. Un rapport, le physique. Dans les chantiers. Dans les chantiers, hommes. La même chose. Je ne veux pas dire, par exemple, un homme travaille dans un chantier avec une femme. Je ne veux pas leur donner les mêmes poids, les mêmes places. Pourquoi? Parce que ce physique ne correspond pas à ce physique-là. Il y a des postes, oui, valables pour l'homme et la femme, mais tu as des postes qui ne sont pas valables pour les deux. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça le mot égalité, hein, pas de distinction entre les sexes. Si on prend ce mot-là, le musawat, on ne l'a pas dans l'islam. Dans l'islam, on a l'adala, la justice. À la place de dire il n'y a pas donc de distinction entre les deux sexes, on dit il n'y a pas d'injustice entre les deux sexes. On dit il n'y a pas donc de différence. Équité, en fait. Équité, hein, avec les deux sexes. Le terme va nous ramener à des problèmes. C'est pour ça on dit la femme que il a les deux enfants, il a un enfant de 19 ans, il mange un poulet complètement sportif, mashallah, avec un kilo de pain, et t'as un bébé qui a besoin d'un biberon. Garçon et fille. La fille et bébé. Le garçon, homme. Je donne au garçon un poulet complètement. Est-ce que je vais donner un poulet complètement pour la fille bébé? Non, je vais la tuer là. Je fais le contraire. Je donne un biberon pour la fille et je donne un biberon pour celui-là de 19 ans. Ça marcherait? Ça va pas, je vais les tuer. Maintenant, mettez à l'envers. La femme est là, la fille a 19 ans et le garçon il a un an. Est-ce que je vais, parce que le garçon, je vais lui donner maintenant un poulet là? Mais non, il va mourir, il a besoin de... Ça, ce n'est pas... Moussawat, la même chose, la quantité là et la quantité non. Ce qu'il a besoin, ça c'est la quantité. Ça, ce qu'il a besoin et la quantité. Maintenant, je ramène par exemple, j'ai deux enfants. On arrive pour regarder quelque chose, une fête. Mais les enfants, ils n'arrivent pas, il faut un socle. Et j'ai un garçon, par exemple, il a 1m70,
Mais presque, il va voir. Je lui fais un socle de 50 cm et il voit. Est-ce que l'autre, là, l'enfant de 5 ans, je vais lui faire un socle de 5? Mais non, ça va pas, il va pas voir. Je vais lui donner plus pour qu'il arrive à voir. Je vais leur donner pas, je vous donne la même chose. Ça va pas. On appelle ça égalité. Et on n'appelle pas ça, comment il a dit le mot là? Équité. Équité. Ça va pas. Le mot, quand on le dit comme ça, pas eux, je ne sais pas, peut-être ils le font exprès de faire ce mot-là, pour sortir la femme carrément de devenir un homme. Ou de faire un homme carrément une femme. Ça va pas, ça te change carrément la construction de la personne lui-même. On revient ici à notre Allah Azza wa Jal, il dit A'addalahum maghfiratan wa ajran 'azima. Alors il a cité tout ça, la femme, l'homme, le jour du jugement, vous aurez tout ce que vous avez besoin, comme femme, comme homme. Ici vous êtes en examen, ici vous êtes en épreuve. Il n'y a pas d'égalité que vous dites là. Ça n'existe pas cette égalité. Si vous voulez égalité, qui est le riche? Tu as combien de milliards dans ta banque? 2 milliards? Ok. Celui-là, il a combien? Il n'en a pas. Partage avec lui. On ne peut pas dire ça. Le communisme a essayé de faire ça. Le communisme, qu'est-ce qu'il avait dit? Égalité. Égalité. Tu es le médecin? Tu touches la même chose comme le paysan. Et tout ce que vous faites là, le paysan, votre travail, on le regroupe dans la caisse de l'État et c'est elle qui va distribuer la même chose. Eh ben ça ne va pas, j'ai étudié pendant 20 ans, tu me donnes la même chose que l'autre, là le paysan qui l'a pas. Ça, c'est pour ça, ça ne se tient pas. C'est inégal, cette équité là, il a dépassé les limites, c'est le rouleau. Et lui, il l'a fait quand? Pourquoi? Karma, il a fait cette idée-là. Pour contrarier le capitalisme. Le capitalisme aussi, il a dépassé les limites. Parce qu'on voit mal le matérialisme. Le capitalisme, j'ai un grand magasin, je fais par exemple Carrefour, etc. Et les petits magasins de le village qui crèvent. Il est miné. Eh bien, tu m'as fait faillite avec ton magasin que tu as construit ici, le grand Carrefour, etc. Viens travailler avec moi. Tu deviens manœuvrier, tu n'es plus patron. C'est le capitalisme, c'est-à-dire si tu arrives à bouffer les autres, mange-les. La loi du plus fort. Et la baisse, khalas, tu y arrives, khalas. L'autre, il dit non, il n'y a pas de fort, on est la même chose. Ça ne va pas non plus. L'islam, il vient juste. Tu peux avoir plus que celui-là si tu travailles, tu fais ton travail, etc. Mais en grandissant, ce n'est pas une raison d'écraser l'autre, ne pas marcher sur ses... Attention, si tu dois lui faire de tort avec ta force là que tu es là comme ça, on va te dire non, ramasse un peu toi. Il y a quelqu'un là qui est en train de respirer là. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Omar al-Khattab qui est costaud pour aller embrasser la pierre noire. Elle est costaud ça, mais les autres là, ils n'arrivent pas. Ils vont, le prophète dit, toi, sors de là. Pourquoi? Ben, t'as vu que... Ça va pas, tu es fort là-dedans. Ça, c'est l'équité. Il n'y a pas de communisme, de capitalisme. C'est le juste milieu. Tu travailles, tu gagnes plus. Tu travailles moins, tu gagnes moins. Un point, c'est tout. Mais tu gagnes plus pour écraser l'autre, ça va pas. Et c'est pour ça ici, Allah Azza wa Jalla a fait ça, donc ce bas monde. Mais le jour du jugement, il n'y a pas ce sentiment donc de manque ou quoi, le chef, je voudrais être chef. Non, c'est fini ça. Il n'y a pas ça. Tu ne ressens pas ça. Nisa ad-dunya afdal. Nisa ad-dunya afdal am al-hur al-ayn. Voilà maintenant que certaines hommes aussi. Il a son épouse. Son épouse, peut-être quand elle l'a épousé, il était bien, machallah, il aimait. Mais quand elle a enfanté deux enfants, etc., ce n'est plus la femme. Il l'a rendue comme un torchon. À force de la pousser à la cuisine, etc., il est devenu miskin, fatigué, il ne bouge plus.
Et tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent à quelqu'un d'autre. Mais le jour du jugement, tu vois beaucoup de personnes, ils pensent le jour du paradis, les multazimines, ceux-là qui sont hein, dans le bon chemin, barbe, etc., tout ça, ah, Horlein, les femmes du paradis. Quelle beauté, quel genre de yeux. Ils pensent à Horlein. Et il est en train de regarder son épouse avec un air donc. Et toi, ce torchon-là, etc., devant moi. Ben, le jour du jugement, on va comparaître ces femmes de paradis, de Horlein, avec ton épouse ici qui est comme un chiffon. Laquelle qui sera belle, l'épouse. La plus belle, c'est l'épouse. Mais la personne ne fait pas attention. Dans toutes les horaires que tu auras, tes yeux seront allumés sur celle-ci. Celle que tu vois là qui est moche. Tout ce que tu auras comme horaires, ils n'y arriveront même pas à la beauté de la cheville de cette femme-là. C'est la reine de la beauté de toutes tes femmes qui t'ont de paradis. Les savants disent فإن نساء الدنيا في الجنة أفضل من الحور العين. Les femmes donc d'ici ils seront plus belles que les حور العين. وإن الله تعالى يكسو وجوهنا نورا ثوابا لما قمنا به من عبادة الله تعالى في الدنيا. Leur lumière qu'Allah عز وجل fera dans leur visage, hein, la beauté qu'il va faire à cause de leur adoration et l'obéissance à Allah Azza wa Jal éblouira toutes les autres femmes de cette femme de ce bas monde. Alors ici, il faut bien savoir à quoi tu dois y penser et faire attention. À ta femme ou à Horlein. À ta femme. À ton épouse. Et on trouve beaucoup d'hommes qui disent je suis pratiquant, ou alors tu es en train de dénigrer son épouse par Horlein. إن كانت من أهل الجنة ستفابلا دونك كسرا دونك دو paradis فإن جمالها في الجنة يفوق جمال الحور العين وأنتم سمعتم وصف الحور العين on a vu les حور العين quand Allah prophète nous a expliqué quelle beauté mais فأي حال ستكون عليها زوجتك إن كانت من أهل الجنة إن جمال المرأة المؤمنة الطاهرة العفيفة يفوق جمال حور العين pourquoi ils sont plus belles que حور العين لأن هي التي صامت لله. C'est elle qui a jeûné pour Allah. C'est elle qui a fait l'examen. Pas les Horlein. Horlein, ils n'ont pas fait d'examen. C'est celui qui a fait l'examen. وقامت لله. Celle qui peut se lever le matin pour se prosterner pour Allah Azza wa Jal, le Créateur. وهي التي حاربت الشهوات. C'est elle qui a repoussé les plaisirs de ce bas monde. وصبرت على الأذى. Hein, il a enduré pour le mal qui lui est arrivé sur ce bas monde. C'est pour ça Allah va la récompenser. Il a fait le jour du paradis la plus belle des femmes de Horlein. Allah Azza wa Jal dit Inna ansha'nahunna insha'an. Allah Azza wa Jal regarde comment il parle des femmes. Inna ansha'nahunna insha'an. Ces femmes-là, on va les construire, fabriquer, créer d'une autre manière. D'une autre manière. Pas ce comme ils sont maintenant sur ce bas monde-là. Faja'alnahunna abkara. Des vierges. Évidemment, le monde contemporain qu'on a vu, quand tu parles de la virginité, c'est même, il est arrivé pour que ce n'est pas un bien. Le monde a changé. C'est-à-dire dans le temps, même en Europe, que la femme, qu'il soit sa chasteté, qu'il soit vierge avant, ça c'est quelque chose donc reconnu. Le monde a commencé à avancer
point de vue de ses plaisirs de ce bas monde, qui sont arrivés donc de faire le contraire. Pas que simplement on change. Non, 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 c'est carrément le contraire. T'as 6 ans, t'as 16 ans, 18 ans, enfin maintenant 18 ans, parce qu'avant c'était avant. T'as pas encore d'amis, t'as pas encore de... Pff, t'y as arrivé. Regarde comment la pensée change. La même chose quand je pense à cette situation-là, donc en France, au point de vue donc, qu'on appelle évidemment là, de la plage, là, le... Bikini. Hein? Burkini. Les Burkini, là, qu'ils ont fait tout à fait une guerre. Tu passes, donc, je pense, dans les 40 et des 42, 45, hein, jusqu'à 50, 1950. C'était sur la plage, quand ils sont sortis les Bikini, là, ou un peu, donc, des mini-jupes. Ah ben le pull ici, lui, est rabis, hein. C'est honteux, sur la plage, il faut t'habiller, les femmes restent sur la plage habillées. C'est ici en Europe. En 1950, la loi, les gens, ceux-là qui font la loi, restent habillés. En 1917-1916, habillés sur la plage, c'est honteux. Déshabille-toi. C'est quoi ça, 1950, habille-toi, 2017, redéshabille-toi, et qui change, c'est quoi, de quoi, à rien, c'est comme ça, on appelle ça l'évolution. Depuis mai 68, hein, c'est... Ouais. Libération. Les libérations, etc., le travail, tout ça, hein, que toutes ces... Ça venait tout, hein, parce que la Révolution française aussi pour la religion, éliminer la religion, etc. et tout ça. Nisa et Dunya. Alors ici, Allah Azza wa Jalla dit Inna ansha'nahunna insha'an, faja'alnahunna abkara. Des vierges. Le jour du jugement. Il n'y aura pas, comme on appelle ça, qui n'est pas vierge. On appelle les anneaux comme en arabe. Sayyib, non, il n'y a pas en français, je pense. Il y a vierge, pas vierge. C'est tout comme ça, ils disent. Le mot n'existe pas. Hein? Ouais. Le mot, en arabe, on a deux. On a vierge, sayyib, bikri, sayyib. Mais donc, le jour de jugement, ils seront toujours vierges. Ton épouse toujours vierge. Ça changera. Tu as eu des rapports, deuxième rapport, vierge. Troisième rapport, revierge. Et ainsi de suite. Ça changera. Une autre construction. Une autre manière. Uruban Atraban. Ibn Sa'di, dans le tafsir, il dit أي إن أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا فجعلناهن أبكارا صغارهن وكبائرن. Ils ont tous le même âge, comme on a dit, au point de vue de l'homme. لا تباغض بينهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب ذري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد. Maintenant, quand tu es sur ce bas monde ici, tu vois, tu as une voiture, tu as acheté une voiture. Mais tu as le voisin, il a acheté le dernier modèle. Ça te fait quelque chose. Tu voudrais avoir ce. Tu te sens cette journée-là, tu n'es pas encore en forme. Peut-être il va te démoraliser. Hein? Ben, le jour du jugement, il n'y a pas ce genre de sentiment. Il n'y a pas de jalousie. Frustration. Il n'y a pas. Il n'y a pas de haine. Tu ne ressens absolument pas de haine. Je connais un film de Louis de Funès. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Bah, il a mangé quelque chose, on lui a fait quelque chose. Il n'arrivait pas à s'énerver. Alors il s'étonnait et il dit, j'arrive même pas à m'énerver. Il veut s'énerver, il n'arrive pas. Mais c'est grave, parce qu'il était le spécialiste donc de... La gastronomie, les gouttes, les trucs là. Il a perdu le goût, la langue de goût, les vins, etc. Hein? L'aile ou la cuisse. Ah oui, mais, mais à la fin, là, il dit, j'arrive même pas à m'énerver. Il veut s'énerver, mais il n'arrive pas à s'énerver. Mais il dit, c'est pas possible, quelque chose qui s'est passé. Il veut s'énerver, ça ne marche pas. Le cerveau ne fonctionne plus, il s'énerve.
Ben, le jour de jugement, il n'y a pas soutien. N'arrive pas à t'énerver. Même si tu veux t'énerver, tu ne vas pas t'énerver. Allah, il a éliminé. Celle qui t'a dans la tête, le chimique, qui envoie l'énervement, il n'y en a plus. C'est arrêté, c'est fini. On l'a coupé, on l'a enlevé. Les chromosomes, ils sont changés, fabriqués, de nouveau, autre chose. La tabarouda baynahum wa la tahasun. Pas de haine, pas de jalousie. Wa le hadith fi sahih al-Bukhari. Wa min a'zam an-ni'am al-jannah. Alors la plus grande ni'am, le bienfait de paradis. En dehors de tout ce qu'on entendait maintenant, tout ça, les plaisirs de la nourriture, etc., etc. Yarawna rabb al-alamin. Ben imaginez maintenant. On parle de Allah, le Créateur. Alors là, tu vas voir le Créateur. Tu vas voir le Créateur. Imagine ça. Le Créateur qu'on en parle, qui t'adore, qui l'a créé, tout cet univers, etc., cette beauté, etc., et tout ça, comment il est alors le Créateur ? فيكشف لهم الحجاب ويرونه تعالى كما أراد فيخاطبهم بكلامه. Le voile qu'il y aura entre lui et sa création, donc là, il va s'enlever. D'après ce que Allah Azza wa Jalla veut, ils vont le voir directement avec les yeux. Mubasharata. ويرضى عليهم. Il va le même leur parler. ويرضى عليهم ولا يسخط أبدا. Il sera satisfait d'eux, il ne sera jamais en colère contre eux. فينسون كل لذة رأوها في الجنة أمام لذة النظرة إلى وجهه الكريم. T'as vu tous ces plaisirs de ce paradis, son nourriture? C'est bien, tu manges tout ce que tu demandes, la nourriture. Mais dès que tu vois le visage d'Allah Azza wa Jal, tu oublies carrément ces ni'am. C'est comme tu ne les as pas eu, en comparaison de cette ni'ma, de voir le Créateur Mubasharat. هل هناك من الداخلين للجنة من يحرم من رؤية وجه الله؟ Est-ce qu'il y aura dans le paradis des gens qui ne verront pas Allah Azza wa Jal? On sait que dans le paradis, il y a les degrés. Hein? Mais dans ces degrés-là, est-ce que alors à ce moment-là, les gens qui vont voir Allah Azza wa Jal, ça dépend des degrés? هل هناك من الداخلين للجنة من يحرم من رؤية وجه الله أم أن كل الداخلين للجنة لا يحرمون منها حتى آخر رجل يدخله الجنة فإن أعلى نعيم أعلى الجنة أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ولم يرد استثناء أحد من أهل الجنة من هذه العموم الذي دلت عليه النصوص دي باد الدليل كيفا qui dit certaines personnes le verront et certaines personnes de paradis, hein, parce que les gens de l'enfer ne le verront pas. Il n'y a pas de dalil. Au contraire, toutes les dalils qu'on a, c'est tout le monde. Toute personne rentre au paradis verra Allah Azza wa Jal, le Créateur. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية dit وكذلك الأحاديث في رؤيته سبحانه. Toutes les hadiths dont la vue de Allah Azza wa Jal fi jannah dans le paradis. مثل ما رواه مسلم دون مسلم في صحيح عن سهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة يسير الدليل بروفيت صلى الله عليه وسلم دي دون كل حديث صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار quand les gens du paradis rentrent au paradis les gens de l'enfer rentrent en l'enfer نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ils vont entendre les gens du paradis un appel qu'Allah vous dit « Je vous fixe un rendez-vous de rencontre avec Allah Azza wa Jal. »« Yuridu an yujziyakumu fa yakuluna ma huwa. » Allah, il vous donne un rendez-vous pour vous récompenser. Les gens de paradis, ils disent, c'est quoi encore? Avec tout ce qu'on a ici dans le paradis, est-ce qu'il y a quelque chose de plus que ça? « Alam » ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويحرمنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله. Le hijab, le rideau, on peut appeler le rideau là, mais on ne sait pas comment il est le rideau là, c'est de la lumière, carrément une lumière devant toi.
Comme tu vois, par exemple, quand tu rentres dans un tunnel et que tu as le soleil devant toi, ben, tu ne vois pas. Khalas, si je mets une lumière devant tes yeux, tu ne vois rien. Ben, ça, c'est cette lumière, tu ne vois rien. Tu vois la lumière là, mais il n'y a rien. Cette lumière-là va se diminuer, va s'éliminer et tu vois Allah Azzawajal derrière cette lumière-là. C'est ça le hijab. فينظرون إلى الله فما شيء أعطوه أحب إليه من النظر إليه وهي الزيادة. Ça c'est le plus de ni'ma. Quand ils vont voir le Créateur, ils vont sentir qu'il n'y a pas de ni'ma plus que ça, simplement de regarder le Créateur. قوله إذا دخل. Alors Allah عز وجل, le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit c'est les gens de paradis. Alors c'est-à-dire que toutes les gens qui rentreront au paradis verront Allah عز وجل sans distinction avec les gens de paradis. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. On verra la semaine prochaine l'autre chapitre concernant ce paradis et l'enfer. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.